À propos des nombres naturels, il existe plusieurs types de nombres qu'on écrit tous avec les 10 chiffres arabes. Les voilà, les 10 chiffres arabes. On les appelle ainsi parce que les Arabes les ont apportés de l'Inde vers l'Europe. Par exemple, ce berger, il a 4 moutons. Le nombre 4 s'écrit avec le chiffre 4. Autre exemple, ce thermomètre indique une température très basse de moins 30 degrés. Moins 30, c'est un nombre qu'on écrit avec le chiffre 3, le chiffre 0 et en plus avec ce signe moins. Autre exemple, cette partie verte, c'est un quart du tout et un quart, c'est 0,25. Le nombre un quart s'écrit avec les chiffres 1 et 4, mais en plus avec cette barre horizontale. Le nombre 0,25 s'écrit avec les chiffres 0, 2 et 5, mais en plus avec cette virgule. Nous savons bien que le périmètre d'un cercle vaut pi fois la longueur du diamètre de ce cercle. Et ce nombre pi s'écrit 3,1415,92,65, etc. Ce nombre s'écrit avec les chiffres 3, 1, 4, 1, 5, 9, etc. Et en plus au moyen de cette virgule. Si un nombre s'écrit uniquement avec des chiffres arabes, alors on dit que ce nombre est naturel. Un nombre naturel, c'est donc un nombre qui s'écrit uniquement avec des chiffres. Et l'ensemble de tous les nombres naturels est désigné par un n qu'on écrit comme ceci. L'ensemble n, c'est donc l'ensemble de tous les nombres naturels, à savoir 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ces 10 premiers nombres naturels sont en même temps les 10 chiffres arabes. Suit alors le 10 qui, lui, n'est plus un chiffre. Le 10, c'est un nombre écrit avec les deux chiffres arabes 1 et 0. 11, c'est le nombre écrit avec les deux chiffres 1 et 1. 12 est écrit avec les deux chiffres 1 et 2, etc. Sous forme imprimée, l'ensemble n s'écrit sous cette forme-là. À la main, on écrit l'ensemble n comme ceci. Exerçons-nous un peu. Voilà l'ensemble n représenté par une ligne fermée qui ne doit pas nécessairement être une ellipse. Et voilà plusieurs nombres. Le nombre 0 est écrit avec le seul chiffre 0. Donc, il se trouve dans l'ensemble n parce qu'il est naturel. Le nombre 1 s'écrit uniquement avec le chiffre 1. Il se trouve donc bien dans l'ensemble n. Nous écrivons 1 est un élément de l'ensemble n. Par contre, le nombre moins 5, lui, il ne se trouve pas dans l'ensemble n, parce qu'il est écrit au moyen du chiffre 5, mais en plus au moyen de ce moins. Moins 5 n'est donc pas élément de l'ensemble n, et nous écrivons moins 5 n'est pas élément de l'ensemble n. Ce nombre 7234 est bien un nombre naturel, parce qu'on l'écrit uniquement avec les chiffres 7, 2, 3 et 4. Le nombre 1 quart n'est pas naturel parce qu'en plus des chiffres 1 et 4, on a besoin de cette barre horizontale pour l'écrire. Le nombre moins 1,73 n'est pas naturel non plus. Il est écrit avec les chiffres 1, 7, 3, mais en plus avec ce signe moins et cette virgule. 25 est bien un nombre naturel. Le 7 aussi. Moins 100, pas. Moins 3 demi, non plus. 0,125 n'est pas naturel. Pi, non plus. 8,3 périodes n'est pas naturel non plus.
mais le 4, lui, est bien naturel, ainsi que le 1000. 1000 est également un nombre naturel. Nous écrivons n, l'ensemble n indice 0, pour désigner l'ensemble de tous les nombres naturels dont le 0 est exclu. Dans cet ensemble-là, le 0 n'y est plus. Cet ensemble n0 peut aussi s'écrire n, l'ensemble n, sans l'ensemble contenant comme seul élément 0.